Bonjour, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo avec le jeu Jolie Fleurette, un jeu édité par ABBA pour des enfants de 3 à 6 ans, de 2 à 4 joueurs pour une durée de partie d'environ 10 minutes. Dans Jolie Fleurette, nous allons devoir récupérer des fleurs en promenant la brebis Fleurette dans le pré. Pour commencer le jeu, on place le plateau de pré au centre de la table et on place Fleurette sur n'importe quelle case. Ensuite, on prend les tuiles où il y a les fleurs, il y en a 24, et on les place face cachée, on les mélange et on les place autour du plateau. On laisse un petit peu de place. On en prend deux au hasard que l'on place face aux cases des couleurs correspondantes. Le premier joueur est celui qui a cueilli un bouquet de fleurs récemment, ou alors le plus jeune. Il prend le dé et il le lance. S'il tombe sur les nombres 1, 2 ou 3, il avance fleurette du nombre de cases correspondantes. Donc 3, 1, 2, 3. Et s'il y avait une fleur là, ou même plusieurs, il les ramasse et il les prend pour lui. S'il n'y en a pas, ben il ne ramasse rien. Avant de passer au joueur suivant, il ramasse une nouvelle tuile et la place aux abords du pré. C'est au second joueur de jouer. Il lance le dé et cette fois-ci, il tombe sur la petite image de la brebis. Il peut donc se placer sur la case de son choix. Je suis tombée sur la brebis, tout le monde l'a vu. Je me déplace et je récupère cette tuile-là et je la prends. Et on continue comme ça, tour de rôle. Je replace une nouvelle tuile avant que le joueur suivant lance le dé. À la fin, quand il n'y a plus aucune tuile, qu'elles ont toutes été récupérées, on compte ces tuiles et celui qui en a le plus remporte la partie. Avec Jolie Fleurette, les plus jeunes découvrent les premiers nombres et puis les couleurs. Comme tous les jeux que l'on vous présente, vous pouvez retrouver celui-ci à la médiathèque pour jouer avec vos enfants. Cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt!